Alors voici le numéro 61, présenté par Joël Denis, qui nous vient de Rouen, tout près d'ici. Alors regardez bien ce plein, parce que non seulement il est très beau, et il est assez typique de la production de son père, pas la c'est la même chez Joël Denis, et pour lequel je milite de façon parfaitement, même, comme je dirais, objectif, parce que c'est vraiment un cheval intéressant, ce Palastris, qui est de la dernière maille, super mailleur, 6 victoires de la 5 ans d'Allemagne, qui fait la même que chez Joël et qui nous présente depuis 2 ans pourquoi c'est produit vraiment des choses d'un modèle exceptionnel. Alors on attend avec impatience de voir les premiers Palastris s'illustrer, les premiers en 2 ans, ce sera bien sûr l'année prochaine qu'on les verra s'exprimer. La mère est par Coco Eco, elle s'appelle Boromène, je n'ai pas précisé que le poulain est né de province. La mère a gagné. Et c'est la sœur de la bonne Jolie Blanche, qui a gagné 2 courses en Irlande, et de, en accéléré aussi une fille de Pourtant Labroque, qui malgré ça a gagné sur cet hippodrome de Moulins. Elle a une descendance de Nelson, puisque la quatrième mère, les plus cultivés d'entre nous s'en rappellent très bien sûr, de Paonis, qui avait gagné face au mal les Kinghorns. De Ascot, après avoir remporté le prix de Diane et les autres à une semaine d'intervalle sous la férule. C'était Maurice Hilbert ou André Pénard? Ah, en tout cas, c'était Chamartin qui la montait. C'était Pony. Qui a fait Stradivarius. Oui, la descendance de Pony qui avait Stradivarius. Et ce poulain, né le 3 mars, qui est un fils de Palastris, présenté par Joël Denis.